tout le monde, nous sommes le mercredi 9 février. Je voulais vous faire une vidéo pour la préparation des Les Mis Bas, tout préparer pour que ça se passe au mieux pour l'arrivée des chevreaux. Et les chevreaux doivent arriver d'ici une semaine, donc je suis déjà pas mal prête, il me reste juste 2-3 choses à faire. Et ma première chèvre qui doit chevrer, c'est Léonie. C'est la première qui a pris le bouc, je l'ai vue, et elle est censée mettre bas le 17 février. Bah, elle a mis bas aujourd'hui. Alors, ce sera pas la vidéo préparation des chevreaux, ce sera la vidéo préparation des chevreaux et première mise bas. Donc j'en profite pour vous montrer les chèvres qui sont donc pleines de 4 à 5 mois. Donc elles sont très très larges, c'est des canapés comme je les appelle quand elles sont couchées. Là vous pouvez voir Pépite, ma choupette. Pépite elle est super large aussi. Donc il fait un peu chaud, donc elle bouge pas beaucoup, hein, très peu d'activité. On les surveille. Voilà. Là, vous avez encore une chèvre qui est bien grosse. Bonjour, Snow. Vous allez me dire certainement comment on sait qu'une chèvre va mettre bas. Donc nous, on les surveille toute la journée. Et en fait, déjà, ça fait quelques jours que la chèvre prend du lait. Donc on voit ses mamelles se développer. Et ensuite, elle va avoir des signes qui ne trompent pas. Voilà, un certain placement de leur queue. On va avoir un snow. Un creusement du ventre et la chèvre va commencer à avoir des contractions. Et ce matin, j'ai donné des céréales aux chèvres et Léonie n'est pas venue manger. Et ce matin, déjà, je me suis dit bizarre. Mais je me suis dit quand même, c'est dans 10 jours, une semaine qu'elle doit mettre bas. Et ben, Tintin, Manon, elle s'est fait avoir. Voilà. Allez, mais tirez tout. Alors mes box sont prêts, donc j'ai 1,
2, 3, 4, 5 box avec un 5 un plus grand. Les deux qui sont au fond, voilà, si vous vous souvenez, ces deux-là, il y a la lampe chauffante. Donc en fait, c'est là où je mets les petits, les 24 premières heures. Et ensuite, ils iront dans ces box-là qui sont pas chauffés. On a enlevé le fumier hier, ce qui fait que du coup, c'est tout propre. On a mis une couche donc de paille. Donc le paille, c'est pour isoler du froid et absorber l'humidité des urines pour que les petits restent au sec. Ah, de l'éjouillage d'oreilles. Pourquoi vous devez tous lécher les oreilles? C'est incroyable ça. On est bien dans la paille? Les petits box où je peux mettre 8 à 10 tout petits chevreaux. De toute façon, quand ils ont quelques jours, ils sont tout petits et ils ont besoin de se tenir chaud. Et après, ils iront dans les grands box qui sont juste derrière. Quand ils seront déjà âgés d'une semaine, ils iront dans les grands box. Il reste vraiment qu'une semaine dans les toutes petites cases. Ça permet un super suivi pour la prise de biberon, parce que de toute façon, il faut que je leur apprenne à boire au seau. Qu'est-ce qu'il faut pour bien préparer les mises? Bah, alors déjà, c'est pas compliqué. Mince, je les ai oubliés. 2 secondes, j'arrive. Pour bien préparer les mises bas, qu'est-ce qu'il vous faut? De base, des gants. Vous savez, c'est les gants de veto qui viennent jusque là. Parce que ça arrive, c'est comme nous, hein, que les mises bas se passent mal. Et si le petit il est coincé, moi j'ai besoin d'intervenir. Bien évidemment, je vais mettre un gant. Et comme on a des vaches aussi, donc j'ai des gants qui prennent que le poignet et j'ai des gants qui vont jusque là pour un minimum d'hygiène. Ensuite, ça c'est du désinfectant bleu, puisque le cordon ombilical va donc être coupé et il faut absolument le désinfecter afin d'éviter toute infection, parce que des infections au niveau du nombril, ça existe, c'est possible. Donc il faut absolument, dès la mise bas, désinfecter le cordon ombilical. Là-dessus, j'ai l'impression de donner un cours à mes chiens. J'ai Sassy et Snow qui me regardent. Là-dessus, avec mon stylo bien accroché, j'ai mon registre pour les mises bas. Donc en fait, je note toutes les mises bas, je note le numéro de la maman, puisque chaque chèvre a une boucle d'oreille avec son numéro. Je note le numéro de la maman, le jour où elle a je note le jour où elle a chevré, le jour de mise bas. Il faut savoir que les chevreaux, on va les peser aussi, j'ai une balance, puisque pour les chevreaux que je vais garder, le suivi du poids, c'est donc un indicateur de bonne croissance, de bonne santé. Donc il faut absolument que je pèse mes chevreaux à la naissance, donc je note leur poids. Pour les identifier, pour m'y retrouver, j'ai plusieurs options. On a des grosses pastels comme ça, de couleurs. Donc moi j'en ai une verte, une bleue, une rouge. Donc en fait c'est gras et ça, j'en fais une marque sur les chevreaux. Et comme ça moi par exemple je peux mettre un code couleur en place pour savoir qui est le petit de qui. Ou alors je leur mets un petit collier autour du cou. Vous savez, c'est les bracelets qu'on peut avoir dans les fêtes qui collent. Donc je mets un collier autour du cou avec le numéro de la mère et la date de naissance. Ensuite, il faut absolument, pour bien gérer tout ça, ben là il y a mon stock de biberon, parce qu'il y a quand même, je sais pas, 120 chevreaux à biberonner. Donc le biberon me permet de récupérer le colostrum de la maman et de bien contrôler pour chaque chevreau la quantité de colostrum administré. Et ensuite, il vous faut des super seaux avec plusieurs tétines dans lesquelles je vais mettre plusieurs litres de lait. N'est-il pas ?
Il vous faut un seau avec plusieurs tétines pour pouvoir alimenter jusqu'à 12 chevreaux en même temps. Et avec ça, il faut savoir que donc, j'ai du lait en poudre. Si jamais les chevreaux sont pas bien pour telle ou telle raison, j'ai des antibiotiques à disposition. Et je travaille également avec de l'argile, donc qui va en cas de diarrhée, de l'argile et du charbon qui est un détoxifiant si jamais il y a un problème au niveau du système digestif. J'ai séparé les petits de la maman parce qu'ils sont tout secs. Je les ai mis sous la lampe chauffante. Je suis pas sûre qu'ils boivent un biberon ce soir parce qu'ils ont un peu tété la maman. Mais on fera un biberon quand même et on verra. Donc ce que je vous propose, c'est que je vous retrouve la semaine prochaine pour sûrement une vidéo avec plein de misbahs. Je vous souhaite une très bonne fin de journée.